Salut. Alors, c'est moi, hein? Je marche parce que je suis très angoissée. Et ce soir, c'est la super pleine lune de verre, V-E-R-S. Alors, bonjour, il fait beau là, plus de lumière. Là, ça va super mal sur la planète Terre, puis j'ai envie de ventiler un peu, de prier Dieu, d'aller voir les éléments. Je m'en vais au bord de l'eau. Allez, essayer de m'entourer de bonnes vibrations. Et puis, filmer la pleine lune en même temps, si Dieu veut. Alors, c'est ça. Vous aimez mes beaux cheveux verts sous la lumière de la lune? Aïe, aïe, aïe. C'est... Oui. Alors, c'est ça. On est le 9 mars 2020. Vous savez, franchement, jamais j'aurais cru que j'aurais vécu aussi vieille. Je croyais que je partirais bien avant l'an 2000. Et puis, c'est ça. Alors, on est à la veille d'une pandémie mondiale qui rappelle la peste noire, la peste bubonique et la fièvre, la grippe espagnole de 1918. Alors, moi j'ai un système immunitaire déficient, j'attrape tous les microbes. Alors, je suis pas très encouragée parce que pour mon avenir, là, je m'imagine pas pouvoir vivre de nombreuses années encore, contempler l'avenir de nos futurs enfants, des futures générations. Mon propre père... Il nous a déshérités, j'ai appelé 9 fois ce soir pour essayer de faire la paix avec lui. Ça n'a pas marché, il n'a pas voulu m'écouter. Alors, j'ai beau pleurer, mais qu'est-ce que ça va donner? Quand bien même que j'aurais voulu tout faire, me mettre à genoux pour lui demander pardon. Dans le fond, c'est pas vraiment moi le coupable, parce que moi j'ai toujours respecté mon père jusqu'à temps qu'il aille nous déshériter, en tout cas mes soeurs et moi. Et puis, à ce moment-là, ben, j'ai vu que mon amour pour mon père n'était plus la même que j'avais autrefois à cause de son amour pour nous, qui, manifestement, n'était pas, ou n'existait pas, ou n'avait jamais existé. En tout cas, fait que c'est ça. Fait que, si jamais ça continue d'aller vraiment mal, puis on parle seulement de... pandémie et tout ça. Quoi, on va essayer d'aller voir la lune un peu. Hi my friend, it's me Sylvie. How are you? As-tu tiré? Les regards des yeux, ça fait peur. J'ai dit des fois, les regards. On en dirait que tout le monde aujourd'hui, on part dans un peu les microbes dehors. Ouais. Capoté, mais regarde, je suis en train de virer fort. Quoi? Pas vraiment, mais je veux dire. Ça fait peur un peu. J'ai vu des gens, ils me regardent de travers. Oh, c'est pas dans l'eau. Ah, oh, enfin. Là, oui, il n'y a pas. Merci, monsieur. Ah, oh, ben. Lavez-vous bien les mains! On va se laver bien les mains! On va faire attention, hein! Alors, la lune n'est pas encore là. Belle bibliothèque municipale à la Chine. À tout côté. Salut le vélo. Ben c'est ça. Je demande à mes guides de faire aux anges de me protéger. De me calmer. De m'entourer de lumière dorée. Je demande aussi à mes guides supérieurs et aux anges.
de bien vouloir me protéger et de m'apporter le calme, s'il vous plaît. So might it be. Dear Lord, have mercy on us. We are sinners, and I am a sinner. Call me Mary Magdalene, I guess. Ah, Jesus, help me. Come in, save us, please. Come in, get your spouse. Come in, get your bride. Am I worthy? I doubt it. I'm not worthy of you, dear Lord. Because I have sinned so much. So much insecurity. Alors, c'est ça. Heureusement, mon Dieu, merci. J'ai fait la paix avec ma mère. Merci Seigneur. Merci mon Dieu d'avoir permis de briser la glace puis de renouer mes liens avec ma maman. C'est important. Surtout dans ces temps-ci. C'est tellement grave. Toutes les personnes qui nous ont enseigné la spiritualité, qui étaient plus spirituelles que nous autrefois, ont presque tous perdu la foi. Alors, je le vois dans ma maman, dans mon papa, dans ma tante. Ils m'en ont témoigné leur confusion. Je dis que le plan de Satan, il fonctionne à merveille. De répandre la confusion comme ça, à la fin des temps, pour faire perdre la foi aux gens. Au centenaire. Alors, c'est ça. Au centre d'achat, 32e avenue, la Chine. Alors, c'est un petit peu un frère pour les oreilles. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Mon Dieu, t'en prie, donne-moi la foi à nouveau, purifie mon cœur, ouvre mes yeux s'il te plaît, aide-moi à aider, utilise-moi s'il te plaît si t'as besoin de moi, je vais faire ce que je peux pour t'aider, pour ta vie, un message, si j'en suis digne, aux gens que j'aime. Comme on n'est pas prophète dans notre pays, ben, le message il reste de pas être très bien perçu ni bien compris. On va sûrement juger de folle, d'illuminée. Des pèlerins, des chrétiens. Donne-moi de quoi ce qu'on veut la prochaine fois. Donne-moi une nouvelle personne, Seigneur. Je te remercie de m'avoir donné une chance de me racheter de mes péchés. Ah, merci, Seigneur. Donne-moi envie de me réveiller. C'est trop tard. Oh mon Dieu. Oh, je chante alors. Mais l'affaire qui me concerne le plus en ce moment, c'est l'affaire de la croix dans le ciel d'il y a 2 jours. Postée sur Facebook par Big Samsung. Et la vidéo qui avait probablement été filmée par Yacine Lawadi.
J'aimerais savoir plus d'infos à ce sujet-là, parce que la technologie américaine maintenant permet de pouvoir recréer des hologrammes et les projeter dans le ciel et faire croire aux gens à des simulations d'apparition. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, voilà. C'est ça que je dis en ce moment. Puis, beaucoup de monde pense que je suis un peu folle là. Que je panique, que je vends la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça fait plus de 16 ans que j'attends ça. Les signes, ils sont toutes là, ils sont toutes claires. C'est bien écrit que celui qui a un œil pour voir, voit, et que celui qui a une oreille pour entendre, entende. Et puis si ton œil était une source de péché, de l'arracher, afin de pouvoir retourner dans le droit chemin. Oh! Va te falloir que je m'arrache le yoni. Oh! Seigneur Jésus, je t'en prie. Oh mon Dieu. Oh, pour l'amour de Dieu, je t'en supplie. Apporte-nous la paix. Apporte-nous la délivrance. Nettoie le monde de la corruption et de toute cette damnation. Père Céleste, je t'en supplie. On est presque arrivé au bord de l'eau. Mon Dieu, ça peine Noël. On est rendu le prêt. On est rendu le 10 mars. Eh ben, pauvre toi. Pauvre sapin. Sacrifice d'un si bel arbre. Bonne fête de païenne. Ah. L'invention de toute pièce. Par l'église catholique de l'époque. Convertie les fêtes païennes en fêtes chrétiennes. Pour les adapter afin de pouvoir recruter plus de pèlerins à l'église catholique romaine. Aïe aïe aïe, le conseil de Nicée, je te dis. Hein. En 300 après Jésus-Christ, l'empereur Constantinople, il en a fait de la merde. C'est facile de manipuler les foules si on se rallie à leur religion, tout en les manipulant et en les contrôlant. Enfin, la vérité va être faite, le voile va se lever. S'il n'est pas déjà levé, oh, 21h48, je pense que ça va être la. On va pouvoir voir la pleine lune. Il ne devrait pas être trop tard, trop long. Faut que je reprenne mon souffle. Oups, là. Ah, ça va s'enfarger. Pollution. Oh, j'ai la tête au bord de l'eau. Seigneur Dieu. Ah, ça va être tellement une boue. Est-ce qu'on aurait pu en vivre? On va oublier nos soucis, notre accord. On va prier un peu, puis méditer. Oh, c'est de se recentrer sur des bonnes énergies. Canaliser une lumière pure et blanche, dorée. Une lumière rose. Une lumière verte.
Mon Dieu, une grosse montagne de neige, Dairy Queen. Waouh. Et ben nous voilà, nous sommes arrivés au bord de l'eau. Ah, c'est merveilleux. Petit fort. Ah, je me sens déjà plus calme, merci mon Dieu. C'est la peine que mon père m'a causé, qui m'a fait faire un ACV. Je suis certaine, certaine, certaine. Puis, j'ai l'impression que j'en ai fait un otage l'année dernière, la nuit. Et je me sentais tout engourdi toute la semaine. Et j'avais pas trop fait la semaine en pied droit, pied blanc, pas de sang, quasiment nécrosé, hein, tu sais. Ah, c'est sûr, je suis hypochondriaque à ce qu'on dit. On n'a pas le droit de s'auto-diagnostiquer nous-mêmes. On n'a pas les qualifications requises. Avec toutes les informations qui circulent de nos jours, on ne peut même pas faire de... faire comprendre. La lune est cachée encore. Waouh. Jesus in the sky. Does anybody know where that video comes from? Le Jésus du ciel qui a été filmé il y a deux jours. C'est quelqu'un qui sait d'où ça vient. Où est-ce que ça a été tourné? Chut. Quel pays? C'est plein d'eau partout. Des avions dans le ciel.
Je suis arrivée à l'aéroport de Doha. Trafic aérien. Régulier. Non-stop. L'aéroport international Pierre-Elliott Trudeau de la ville d'Orval sur l'île de Montréal. Relever la passerelle était plus basse que ça. Ils l'ont peut-être reconstruite. La petite bordure. On dirait bien. Merci Seigneur pour cette beauté naturelle. Où est la lune? Est-ce qu'elle va arriver bientôt? De la voir. Om Bhuva Swah Tat Saviturvareniyam Bhargo Devasya Dhimahi Yo Nah Prasho Om Bhuvah Swah Tat Savitur Varenyam Dhiyo Nah Prachodayat Om Bhuvah Swah Tat Savitur Varenyam Dhiyo Savitur Vareniyam Dhiyo Nah Prachodayat Tat Savitur Vareniyam J'oubliais les mots, il manque une phrase. Mon Dieu, excusez-moi. J'ai la mémoire qui flanche. Bon, est-ce que c'est la lune qu'on aperçoit au loin là-bas, là ? Petite lumière dans le ciel apparaît, approche. Que je te filme. De l'autre côté, c'est la réserve amérindienne des Kanawake. Les petites lumières en face de moi, là. Le pont Mercier. Bon, mais on va aller sur la petite plage à Vijay, où est-ce qu'on a enterré les 109. Bon, les
pris un petit peu là-bas aussi. Avec des bonnes énergies sur le bord de l'eau. Je vais s'asseoir un petit peu parce qu'il y a la lumière là, pour quelques instants. Je peux rester aussi longtemps que j'aurais voulu à cause du froid. C'est la sœur Rolande Coursol qui me devait enseigner une belle chanson quand on était jeune au collège Saint-Anne. Ah, j'ai la chanson dans la tête, mais elle dit la chanson. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Chantons avec joie et allégresse. Sœur Rolande Coursol, ah, vous étiez un bon professeur. Je vous ai beaucoup aimé. Professeur d'art plastique nous a appris les grands maîtres impressionnistes. C'était beau. Vraiment beau. Bon, on va aller à la petite plage. La terre elle se ramollit. J'ai vu dans l'article qu'on appelait la lune de verre parce que les vers commençaient à sortir de la terre. Eh ben, pas fou, ça commence à mollir en Moses. Donc, c'est vrai. On arrive. Ici, c'est la petite place à Maupirigeard. On s'assoit ici l'été. Oh mon dieu, ma plage est pleine de neige. Je pourrais pas toucher les roches. Aïe, il y a peut-être une petite endroit seulement. C'est ici qu'on a disposé les cendres de Vijay. Ah mon dieu. Et puis. Je suis contente. Mata Ganga est venue chercher son fils. Mais c'est étrange quand même, pensez-y. Belak, ça veut dire prêtre en breton. Et le papa s'appelait Ganga Din, prêtre de Ganga, Mata Ganga, notre mère du le Gange. Eh ben, c'est prédestiné qui porte le nom de prêtre. Ah, il y a quelques petits proches de se libérer pour les bonnes énergies. C'est cool.
Allô?57 ans. Multiple AVC. Et à soir, j'ai les cheveux verts. Ouh. Aïe, aïe, aïe. Où es-tu, la lune? Elle va s'en venir bientôt, là. On va tourner un peu la caméra vers l'est. Alors. J'espère que ça marche un peu. Que ton nom soit senti, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, Seigneur. Délivre-nous de tout mal. Peut-être que je mette la vidéo à stop et que je recontinue tantôt quand la lune va vraiment être sortie. Il y a beaucoup de nuages quand même. Le plafond est haut, mais il y a quand même des nuages. Prions que ça soit plus clair qu'hier. Il y a de la glace qui fond, qui flotte, des petits mini icebergs sur le lac. On va faire une économie de batterie. On va mettre ça sur pause. J'ai chanté une vieille chanson, un souvenir d'autrefois. J'ai essayé. Dans la prison dorée de mon cœur, habité par ton nom, tu brilles en moi comme une lueur qui me guidera. Rien ne pourra plus nous séparer jusqu'à la fin du monde. Rien ni personne n'y pourra jamais rien. Rien au bout du voyage. Au bout du chemin, au bout du voyage, au bout du chemin, toutes les armées du monde n'arrêteront pas Quentin, du roi. Toutes les armées du monde n'arrêteront pas Quentin, du roi. C'est drôle, c'est...
C'était une vieille émission qui jouait quand j'étais ado. Je pense que j'avais même pas 15 ans. Belle chanson quand même. J'ai fait une recherche sur YouTube, j'ai essayé de la trouver, mais je n'ai pas réussi. Alors, où est la lune? Corse du boulot ne s'efface jamais. Accroché aux ceintures, fils de bûcheron, la femme vous attise en sacrament. Ah, Michel, j'aurais aimé ça que tu joues encore de la guitare. Oh, ça aurait tellement été agréable. C'est tellement longtemps que j'ai pas chanté. Des années, des années. J'ai perdu ma voix d'autrefois. Elle est rouillée maintenant. Il fallait que je la travaille, mais malheureusement, elle a eu tellement de peine que. Et puis une note qui voulait sortir de mon gosier jusqu'en 2003, 2005. Ouais, je tenais un peu la caméra, on voit un petit peu de lumière, je crois, mais vraiment pas beaucoup. L'écorce du boulot ne s'efface jamais. Accroché aux ceintures, fils de bûcheron, la soeur vous attise en sacrament. Écoutez. C'est beau. J'aime voir le reflet de la lune sur les nuages dans le ciel au-dessus du phare. C'est beau. Sais-tu que j'ai jamais parlé sur caméra, ni chanté. D'où Jésus, quand reviendras-tu? Faire pousser les feuilles. D'où Jésus, quand reviendras-tu? Faire pousser les feuilles de ma rue. D'où Jésus, quand reviendras-tu? Faire pousser les feuilles. D'où Jésus, quand reviendras-tu? Faire pousser les feuilles sur ma rue. Incroyable. J'en perds mes mots, j'en perds mon calme, j'en perds même tous mes sens, toutes mes facultés. Allez, pour l'amour du Seigneur, de Dieu, viens me chercher, Seigneur Jésus, je t'en supplie, viens me chercher.
je suis venue te voir en tout cas. Je pense à toi encore. Lorraine, je pense à toi beaucoup. Yo-Yo, je pense à toi beaucoup. Yolande, Manon aussi. Vous me manquez, mes meilleurs amis. Bon, mais. La lune, où est-elle? Jésus, quand reviendras-tu faire pousser les feuilles, faire pousser les feuilles? De Jésus, quand reviendras-tu? Oh non, il commence à pleuvoir. Oh, c'est dommage. Oh. On va aller faire un tour au McDo en attendant, puis. Prier pour que je puisse voir la lune plus tard. Ok, à tantôt. On va marcher jusqu'au McDonald's. Faire une petite marche jusqu'au McDo. Alors, on a des chances de voir la lune plus tard. Il est 10 h, je la vois pas, mais c'est vraiment couvert alors. Flaque d'eau. Une petite poubelle neuve. It's the end of the world, and I know it.
Linda. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Shri Ganeshaya Namah. Om Namah Shivaya. Om Shri Brahma. J'ai goût d'entendre Tina Turner chanter des mantras bouddhistes. Ah, je l'ai pas emmené ma canne. J'ai mal à mon cœur. Il fait mal à ma poitrine. Seigneur, calme-moi. La peine à mon cœur, c'est ça qui fait mal. Je m'ennuie de mes petites heures. On arrive au McDo.